Bonjour, moi je suis Stéphanie Delima, donc je suis bouquiniste et co-organisatrice de ce salon avec l'association Arche Espérance. Bonjour, moi je suis Éléonore Régien, je suis conteuse et je suis souvent en charge des animations, des salons qu'organise Stéphanie. Aujourd'hui nous sommes à Triel, oui. À la Péniche. Sur la Péniche, un lieu totalement atypique. Et un lieu qui est justement sort la littérature de son contexte et qui a ce côté intéressant où c'est un lieu où on n'attend pas à avoir des auteurs et pourtant un lieu tellement magique. Combien d'auteurs sont présents sur le salon? Alors aujourd'hui nous avons réussi à avoir avec nous 26 auteurs pour le samedi et 26 auteurs à peu près pour le dimanche aussi, en sachant qu'entre le samedi et le dimanche ça sera des auteurs différents. Ce n'est pas la première fois que vous organisez un salon, il y en a d'autres qui sont prévus. Alors j'ai déjà organisé un salon à Mézières-sur-Seine, effectivement, avec la mairie de Mézières et M. Franck Fontaine. Aujourd'hui c'est le deuxième salon et je prévois, donc il y a un troisième salon qui est en cours d'organisation pour le 8 mai à Aubergenville, où là on aura à peu près 40 auteurs, dont des auteurs qui vont venir de Belgique, du sud de la France et du nord de la France. Votre métier, c'est bouquiniste. Mais où peut-on vous retrouver? Alors moi, je suis bouquiniste en itinérance, donc sur les marchés de la région parisienne, surtout des Yvelines, et principalement sur le marché d'Aubergenville. Alors pour l'instant, je suis en itinérance avec mes tables et mes livres, et bientôt l'arrivée d'un véhicule où la bouquinerie, en fait, sera dans un camion que je viens d'acquérir et que je suis en train d'aménager. Dans le cadre de ce salon sur la Péniche, il y a une animation qui est prévue. Est-ce que vous pouvez nous parler de plus? Oui, donc j'ai proposé de faire 3 séances par jour de conte pour enfants, donc à 11h, 15h et 16h. J'aborderai en fonction du public, puisque je connais environ entre 300 et 400 contes par cœur, donc je m'adapte au public, à l'âge du public. Éventuellement à la demande du public aussi, puisque je fais participer. Donc j'ai la particularité d'animer pour les plus petits avec des marottes et des marionnettes à doigts, ce qui permet de m'attirer un plus jeune public. Et je suis en temps normal conteuse sur les marchés avec Stéphanie ou sur les salons du livre. Et j'interviens aussi dans des bars et des restaurants. Et aujourd'hui, c'est une première pour vous? Pour un salon du livre, c'est une première. D'accord. Pour un salon du livre, c'est une première. Je participerai avec Stéphanie à l'animation du salon du livre du 8 mai sur Aubergenville, avec un concept un peu différent, puisque là, pour celui-là, on a fait une proposition d'atelier conte, et pour le 8 mai à Aubergenville, on prend en charge toute l'animation de la journée avec des animations au fil de l'eau, des fresques à remplir, des chasses au trésor, du conte et de la sophrologie pour adultes et pour enfants. Voilà, donc plusieurs animations phares qui seront proposées durant cette journée. Merci. Les salons qui vont être, mais j'ai vu une annonce.
Oui, vous êtes bien. Je m'appelle Lynne Sulac. Donc, présentez-nous votre travail, votre livre, votre œuvre que vous nous présentez aujourd'hui dans le salon. Donc, aujourd'hui, c'est mon premier roman. Je présente mon premier roman. C'est un roman nouvelle qui est constitué donc, de 13 histoires qu'on peut lire indépendamment les unes des autres, mais qui forment une grande fresque sociétale. Et il est en format poche et il est sorti le 31 mars. Donc, c'est tout récent. Vous êtes aux éditions Escalier de Service. C'est un patron d'hôtel ou c'est une édition? C'est une maison d'édition qui vient d'ouvrir. D'accord. Qui publiera à peu près 2 à 3 titres par an maximum. Donc ce sera une petite structure. C'est donc votre premier salon ou c'est un peu difficile? C'est mon premier salon, oui. C'est difficile? Non, ça va. Ça va? Oui, ça a été. J'ai de la bonne compagnie en plus. Ça va. J'ai beaucoup de personnes. Oui, j'ai parlé avec pas mal de monde, il y a eu pas mal de passages, de beaucoup d'échanges. C'est bien passé. Merci, vous aussi, bonne journée. Alors, je m'appelle Patrice Gazier, j'ai pris comme nom d'auteur Pat Gaz, qui ressemble beaucoup à Patrice Gazier. Quel genre de littérature? Alors, j'écris pratiquement uniquement des romans policiers, sept à ce jour. Des romans policiers qui portent sur des thèmes différents, sur des régions différentes. Votre dernier livre? Alors, mon dernier livre s'appelle Grand Barat. Il se passe en République de Djibouti au milieu des années 80. C'est un roman qui est un petit peu autobiographique puisqu'il parle de mon expérience en tant que volontaire du service national. C'est-à-dire j'ai fait mon service militaire en tant qu'enseignant en plein désert au milieu de la République de Djibouti, dans le Grand Barat, d'où le nom du Grand Barat. Et j'y ai mêlé évidemment une petite histoire policière puisque c'est ce que j'écris. D'accord. Ce n'est pas la première fois que vous faites un salon? Non, depuis 2 ou 3 ans, je fais quelques salons. Ça fait combien de temps que vous écrivez? Alors, si c'est en temps, mon premier livre, je l'ai écrit à 20 ans. Mais je l'ai sorti qu'à 5 ans, je crois. Donc, ça fait à peu près 5 ans que j'écris et que je sors et que je publie des romans policiers. Et qu'est-ce que vous pensez du cadre de ce salon aujourd'hui? Alors, le cadre est absolument fantastique. Tous les gens à qui on a envoyé ça sur les réseaux sociaux, tout le monde a dit que c'était une idée fantastique, que c'est vraiment le cadre est vraiment super. On ne peut pas faire mieux, je pense. Ah, merci. De rien. Bonjour, moi je m'appelle Marc Depodin. J'écris depuis une quarantaine d'années maintenant. Des romans, des nouvelles, des pièces de théâtre aussi. Et un scénario au tout début de ma carrière. Donc j'écris principalement des romans qui sont basés sur la psychologie des personnages, d'une trilogie qui parle d'une famille aristocratique. C'est surtout une histoire basée sur les mystères et les secrets de famille. Je fais aussi des romans policiers, des sujets un peu variés, mais contemporains. D'accord. Vous êtes édité à quel titre? Un fonds d'auteur ou vraiment une maison d'édition? Les deux premiers, j'ai été édité. Et maintenant, je me suis mis à faire de l'auto-édition parce que c'était un projet que j'avais depuis longtemps. Et j'ai même édité quelqu'un d'autre. Donc voilà, c'est un pan de mon activité aussi, l'édition. Comment trouvez-vous le cadre du salon aujourd'hui? Moi, c'est pas la première fois que je viens ici pour faire ce salon sur une péniche. Et c'est très atypique, mais c'est surtout amusant en fait. C'est complètement différent d'une salle. Et la plupart des auteurs aiment bien des lieux différents. Et c'est très agréable, c'est très ludique en fait. C'est vraiment très intéressant pour un auteur d'être toujours dans la découverte, donc là, du lieu. Votre dernier roman, c'est lequel? C'est celui-ci, Pourquoi moi? C'est l'histoire improbable d'une rencontre entre un homme et une femme qui se détestent pour commencer et qui vont apprendre à se connaître l'espace d'un mois de vacances. Voilà. Ben merci. Je vous en prie. Mélanie Barranger. J'écris depuis 2014, donc
je suis éditée dans 3 maisons d'édition. Est-ce qu'on peut les connaître? Oui. Donc Livresque Édition qui est sur Neuvik, Plume Blanche Édition qui est vers Brive, et Rebelle Édition qui est à Montluçon dans la Lippe. Alors, votre style d'écriture ou les romans que vous écrivez sont quel genre? Alors, je vais avoir de la romance contemporaine et romance historique pour mon petit dernier. Ce côté-là, on est plus sur du fantastique avec une pointe de romance plus ou moins importante en fonction des thématiques. Et ici, on est sur de l'album jeunesse illustré. D'accord. Donc, vous touchez à tout? Je touche à tout. Après, il va y avoir toujours un fil conducteur plus ou moins important de romance, parce que je suis un petit bisounours. Donc voilà, il y aura toujours une petite pointe au moins de romance. Vous pouvez nous présenter votre dernier roman? Oui. Alors, on est sur Elisa et la musique de l'âme. Donc on retourne dans les années 1800, donc on est sur une héroïne qui s'appelle Elisa, qui est née sourde et muette. Donc la place des femmes à cette époque-là, était ce qu'elle était, elle ne devait pas travailler, elle devait épouser un bon parti. Donc on est vraiment là-dedans, mais sauf que le handicap à cette époque-là n'est pas très bien vu. Donc il y a eu beaucoup de recherches historiques pour savoir quand la langue des signes est apparue en la première fois. Et mon héroïne a la chance quand même d'avoir des parents très bienveillants et qui veulent quand même la mettre en avant malgré cet handicap. Donc du coup elle va se battre deux fois plus pour être reconnue en tant que femme, mais aussi en tant que musicienne, puisque elle joue d'instruments à cordes parce qu'elle ressent les vibrations. Donc voilà, elle fait du violon, elle fait du piano, elle fait de la harpe. D'où cette illustration et couverture magnifique. Comment vous trouvez le cadre du salon? Alors c'est très très agréable, d'autant qu'on a la chance d'avoir un très beau soleil aujourd'hui, ce qui n'était pas prévu par la météo. Donc non, c'est très sympathique. Merci beaucoup. Je vous en prie. Olivier Raymond, alors auteur, compositeur, interprète, pianiste. Vous faites exactement? Moi je suis musicien à la base et j'écris des contes pour enfants. On a réalisé aussi un livre CD, parce qu'il y a quand même un livre ici, sur la mythologie grecque, hein, qui reprend la théogonie d'Hésiode. Enfin, c'est vraiment le début des origines du monde. Et après, on en a décliné tout de suite. Alors, il y a un CD qui est enregistré dans un studio personnel. Et il y a des comédiens qui ont prêté leur voix pour faire les différents dieux, les personnages. Et ensuite, on a fait une suite. Il n'y a pas de livre, mais c'est une suite audio, parce qu'on en a fait une émission radiophonique qui raconte la naissance des premiers dieux, tous les grands mythes, Sisyphe, Tantale, la boîte de Pandore, Héraclès, les 12 travaux d'Héraclès, et l'Iliade et l'Odyssée. Voilà. Une revisite des mythes grecs? Pardon? Une revisite des mythes grecs? Oui, une revisite... Oui, plus ou moins, oui. Enfin, on n'a pas changé le sens. Et j'ai habillé ça d'une musique, de certains bruitages, etc. Vous n'êtes pas tout seul, je vois sur l'album juste en face de nous, il y a trois musiciens avec vous. Alors ça, c'est un groupe, c'est mon groupe, Carali Trio, composé donc d'une violoncelliste, d'un joueur de doudouk et moi au piano. Et sur certains titres, il y a une chanteuse qui fait des voix. Comment trouvez-vous le cadre du salon? Le cadre est très bien, sur une péniche comme ça. Là, j'ai vu sur la Seine, les bateaux qui passent, c'est assez joli. Il y a le pont là. Donc le cadre du salon est très bien. Les auteurs sont sympathiques. Sauf mon voisin de droite. Il l'a cherché, bon. Et alors sérieusement, j'espère que c'est un salon sur 2 jours. Et on attend un peu le public. Bon, ce matin, c'était peut-être un peu. Les gens font leurs courses le samedi, on sait comment ça se passe dans la vie. Et peut-être que là, ça va commencer à arriver un petit peu. Et on espère demain avoir plus de monde. Ben, merci, bon courage. Merci à. Mon nom c'est Patrick Raveau. Voilà, écoutez, je suis professeur de philosophie, puis
Là, j'ai écrit pas mal de textes, de nouvelles, de fantastiques et de poèmes. Donc, chez l'Armatan, le plus ancien, c'est celui-ci. Après, je crois que c'est celui-ci. Vous en avez un cinquième, là, sur le côté? Alors, ça, c'est de la science-fiction. D'accord, oui, par rapport au plateau. Ouais, science-fiction, c'est pas publié chez l'Armatan, c'est chez l'Asgard Édition. En fin de compte, j'ai toujours lu de la science-fiction et de la poésie en même temps, en parallèle. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un gros livre, quand même. Il fait 600 pages. Un peu métaphysique, un peu. Voilà, c'est une aventure. Je sais pas, c'est peut-être. C'est vraiment de la science-fiction qu'il y avait dans les années 70, quoi. D'accord. On peut le lire. Hein. C'est l'histoire de sur une planète de. Les êtres humains ont perdu leur mémoire alors qu'ils avaient une mémoire illimitée. Puis on s'aperçoit que finalement cette mémoire, ils découvrent que c'est une intelligence artificielle, mais on ne sait pas d'où elle vient, qui pompe leur énergie psychique peu à peu. Quoi. Donc non seulement ils redeviennent mortels, mais en plus ils perdent la mémoire. Bon après il y a tout un scénario, Alors, comment trouvez-vous le cadre du salon? Ici, c'est très bien. Très, très bien. On voit la mer. J'ai pris quelques photos. Mais sinon, on va attendre qu'il y ait un peu plus de monde. C'est pas votre premier salon? Non, j'ai fait le salon du livre à Paris. J'ai fait un ou deux autres salons, mais je me souviens plus. À Lyon, toujours pour la science-fiction. Puis un autre dans le coin ici, à Maison Lafitte. Ouais, Maison Lafitte, un petit. Puis j'en ai fait un autre, je me souviens plus. Ouais. Mais je viens rarement au salon, hein, c'est pas. Là, c'est un ami qui m'a proposé, je ne savais pas, je ne connaissais pas. C'est Hervé. Oui, vous connaissez. Tout à fait, vous connaissez. Ouais. C'est pas de soucis. Bon courage. Merci. Merci. Et vous aussi. On est toujours content quand on fait une dédicace. Delphine Bell, Dernière Liberté. C'est un peu le travail de partage. Et de connaître de nouvelles lectrices, c'est toujours passionnant. Voilà. Surtout quand c'est le dernier livre. Oui, c'était le premier en fait. C'était, c'est le premier. Et... Voilà. Okay. Merci Sylvie. Je dirais que c'est un peu un journal intime où j'essaie vraiment de retranscrire tout ce que je ressens avec le plus de sincérité possible. C'est autobiographique et donc je suis investie à 100%. Et puis surtout, c'est. C'est une volonté de laisser une trace, je pense. La question de la mortalité est au cœur de mon œuvre. Voilà, je voudrais laisser une trace et j'estime qu'on a tous quelque chose à laisser. Vous dites que c'est votre premier livre, c'est le premier que vous avez écrit. C'est... Oui, c'était le premier en 2019. Ah d'accord, il y en a une autre après. Je suis tout le temps en train d'écrire. Alors, quelle est l'importance pour vous d'être présent dans un salon? Là, comme vous l'avez vu avec cette lectrice, ça me permet de côtoyer une nouvelle lectrice, de savoir qui elles sont, d'essayer de construire une petite communauté. Et c'est toujours très plaisant. Et là, vous êtes sur le stand de votre éditeur? Oui. Qui est juste à côté? Et voilà, Sylvain Fabre, mon éditeur. Et vous avez d'autres livres avec vous? Exactement. Et je fais beaucoup de salons avec lui. Et voilà, on s'entend très bien. Et ça facilite le travail de s'entendre bien avec son éditeur parce qu'on sent qu'on est comprise. Voilà. Et alors, comment vous trouvez ce salon? Très bien, très très bien. Alors voilà. Après, tout ça ici, c'est des romans. Très bien. Et puis le cadre, très sympathique. J'ai pas vu la journée passer, je vous avouerai. Là, merci. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Voilà, c'est bon.